aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous écoutez la Samaritaine Radio, émettant de Springfield Gardens, Queens, New York. Nous sommes à l'heure du culte du dimanche. Et nous allons louer le Seigneur. Nous sommes ici pour adorer et louer et écouter la parole qui est le pain de vie. Amen. Nous allons lire ensemble le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Le premier chant, tandis que le monde proclame. Alléluia. Kamaja. Que le monde proclame l'oubli de Dieu de majesté, l'amour dans tous nos cœurs acclame, Seigneur Jésus, ta royauté.
Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Fais qu'on te reconnaisse comme le roi des rois. Amen. Il n'y a qu'un seul roi. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus, le vrai Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous saluons tous les auditeurs de la Samaritaine Radio et nous disons bienvenue à tous les téléspectateurs. Vous êtes branchés sur la Samaritaine Radio qui émet de Queens, New York. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, toujours branchés chaque dimanche pour le culte d'adoration et de louange. Nous saluons tous les super branchés qui sont à Queens, à Arizona, en Haïti, à Jérémy spécialement, et ceux qui sont à Miami, et la sœur Antonine et sa famille qui est toujours branchée à Miami. Nous disons bonsoir à tous les auditeurs de la Samaritaine Radio. Restez branchés pour un beau culte d'adoration au Seigneur. Amen. 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 Honoré puissance, nom Jésus. Amen.
Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord is almighty. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Si nous faisons bien, nous qui t'en t'a fait Seigneur. Amen. Yeah. Amen. Même quand il n'y a pas de soleil, sa lumière brille sur nous et nous rend gai. Amen. 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 Praise the Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, il pleut, les oiseaux se sont réfugiés, mais nous, nous sortons pour louer. Amen. Yeah. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur bon Dieu, numéro 22 créole, moi, je voulais la vie qui a rempli avec louange. Dans tout ça, m'yé, à tout ça, me fait, plaît autant pour les anges. Amen. 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 That's all he wants from us. Amen. Amen.
please the Lord like his angels, you will get blessings. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Numéro 51, chant d'espérance créole. Gagne une source tout plein accent. C'est sang de Jésus-Christ. Péché yo qui baigne là-dedans. Péché yo qui baigne là-dedans sorti sans tache et pur. Amen. Amen. Qui s'y opposera? Si tu es derrière la chair, c'est parce que le bon Dieu Amen. Agit en toi. Amen. Praise the Lord. 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 Amen. La douleur ne peut s'y opposer. Amen. 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 Il y a des choses que
pour y arriver, il faut que au monde capable font césarienne pour le retirer au nom de Jésus pour capable pour attaquer ou pour le faire. Amen. S'il pas qu'à faire césarienne non, bon ou quel père du bataille là. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dans le psaume 138, psaume de louange sera lu par la sœur Chantal. Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Je joue où je t'invoque, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as glorifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en attendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel. Car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les hommes. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité Seigneur. Merci Amen. Seigneur. Amen. Nous savons que nous pouvons compter sur toi Seigneur parce que tu ne mens jamais. Amen. 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 Et Amen. Toutes tes promesses et les prophéties pour nous vont se réaliser au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Parce que quand il veut quelque chose pour nous, il ouvre la terre et avale tous nos ennemis. Amen. 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 Voyez combien il est grand. Amen. Amen. Merveilleux. Amen. Merveilleux. Amen. Nous allons chanter « Mais une belle histoire » numéro 6. Alléluia, « Mais une belle histoire » si bien moi. Alléluia. L'histoire de Jésus, son belle histoire que l'il est. Amen. Amen. Et c'est une histoire d'amour aussi. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes les maladies. Merci, Seigneur, puisque tu guéris toutes les maladies. Touche tous les malades, Seigneur, spécialement ceux qui n'ont personne, Seigneur, pour les visiter dans les hôpitaux, Seigneur, dans les nursing homes, Seigneur. Amen. Touche tous ceux, Seigneur, qui sont sous l'esprit de contrôle, Seigneur. Oui, Seigneur. Quand ils sont malades, vous savez que l'homme aime le pouvoir, Seigneur. L'homme, il y en a qui sont attaqués par l'esprit de Jézabel, qui utilise la maladie d'une personne, d'un patient, Seigneur, pour piétiner la dignité de cette personne, Seigneur. Viens au secours, Seigneur, de tous ceux, Seigneur, qui sont à l'hôpital, Seigneur, qui ne sont pas capables de dire oui ou non, Seigneur. Amen, Amen. Seigneur. Amen. Ils sont nombreux, Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, et qui sont sous l'esprit de contrôle de Jézabel, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur. Dis à ces personnes que je suis le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, à le commencement et la fin. Alléluia, et que tu prendras soin d'eux, Seigneur. Que tu prendras soin de tous ces malades, Seigneur. Alléluia, qui sont humiliés parfois, Seigneur, parce que leur dignité est écrasée, Seigneur. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Et tous ceux qui sont aussi attaqués par l'esprit de contrôle, Seigneur, tu peux faire quelque chose, Seigneur, pour destituer, Seigneur, ce mauvais esprit. En eux, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus, Amen. Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons intercédé pour les malades, Seigneur. Nous te demandons pardon d'abord pour nos péchés, Seigneur. Tout ce que nous avons fait, Seigneur. Les faux témoignages, Seigneur. Parfois, nous ouvrons la bouche, nous accusons quelqu'un sans savoir exactement ce qui en est. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, que nous avons accusé quelqu'un, Seigneur, et que ce n'était pas ça, Seigneur. Amen. Amen. Faux témoignages, Seigneur. Les regards non divins, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Et destitue, Seigneur, en nous la rancune, Seigneur, la haine, l'amertume, Seigneur. Alléluia, l'esprit de colère, Seigneur. Seigneur, prends soin de tous les époux, Seigneur, qui sont menacés par l'esprit de Jézabel, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas normal, Seigneur,
pour une femme de dire ça ne fait rien si le mari s'en va, ou si le mari dit ça ne fait rien si la femme s'en va, Seigneur. Alléluia. Je te demande aujourd'hui, Seigneur, d'une façon spéciale, Seigneur, amen, de faire quelque chose, d'intervenir, Seigneur, pour tous les époux qui sont en difficulté, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Alléluia. Gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et aussi, Seigneur, prends soin de ceux, Seigneur, qui pratiquent des choses qui sont contre nature, Seigneur. Tu avais établi une union entre une femme et un homme, Seigneur, et non entre deux hommes et deux femmes, Seigneur. Interviens, Seigneur. Légalise tout ce qui n'est pas légal, Seigneur, et réorganise tout ce que Satan a désorganisé. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Tu dis que quand nous prions, Seigneur, quand nous t'adressons, tu entends le cri, Seigneur. Le cri de nos prières, ça monte à tes oreilles, à ton oreille, Seigneur. Ouvre ton oreille, Seigneur, et entends nos cris. Reçois, Seigneur, nos supplications ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Histoire. Merci, Seigneur. Mais une belle histoire. Yeah.
Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci de nous envoyer ton Fils, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, pour nous sauver, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Nous cherchons ton visage, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que jamais, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Amen. Nous cherchons ton visage, Seigneur. Je cherche le visage du Seigneur. Dieu. Numéro 67, chant d'espérance créole. Si vous cherchez bon Dieu, vous venez quand même. Amen. 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 Je cherchais mon Dieu.
Verset à la croix, c'est Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. 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 Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Amen. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Amen. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Oui, aujourd'hui, nous allons parler des faux prophètes bientôt, ok? Des faux prophètes. Amen. Nous allons raconter, bref, raconter tout partout, ça y est, c'est pas vrai. Souvent, moi, à
Seigneur, de louer, de danser avec nous, Seigneur. Merci. Alléluia. Tu prends plaisir. Nous passons le micro à Pasteur Gladys Chevalier. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, nous pas capables contenant aujourd'hui. Hein? Pourquoi? Le pourquoi? Et parce que l'Éternel a fait des choses merveilleuses pour nous. Il est merveille. Il est merveilleux. Ce Jésus que nous servons. Nous ne saurons rester dans la tristesse. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, nous le savons. Nous savons que la vie est tissée de problèmes. Voici, elle est ainsi. Que pouvons-nous faire? Amen. Absolument rien. Rien, rien. La seule chose, c'est de prier l'Éternel. Amen. Et ce que j'aime surtout, pendant que Jésus était sur la croix, il était content. Alors que son corps était baigné de sang, maculé de sang, il était content. C'est la même chose pour nous. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, nous sommes toujours contents. C'est pas là nos batailles pour nous montrer dedans, depuis qu'on est pour montrer dedans, nous sommes là-bas. Et nous disons merci à notre Père Céleste, que son Seigneur soit toujours béni. Ce Chantal a eu des problèmes pendant au cours de la semaine. Et pourtant, la voilà, radieuse. Amen. Aussi radieuse que le soleil. Nous disons merci à notre Père Céleste. Sœur Narcher, il y a une douleur à la jambe. Et puis voilà que nous avons dansé devant l'Éternel. Il chassé au nom de l'Éternel. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru et m'a mis au lac. Dis-le encore. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru et m'a mis au lac. Et m'a mis au lac. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Puisque nous croyons à la parole. Amen. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Toi et ta famille. Ce matin, ce n'est pas moi qui vais et délivrer le message. Et la sœur Narcher a eu une exhortation très dure pour ceux qui ne veulent pas suivre la parole. Les usurpateurs, ils sont partout. Usurper le droit de l'Éternel. Ils font écouer dans l'église, puis ils craser, puis ils tuer, puis ils font des choses vraiment malhonnêtes. Mais si l'Éternel a choisi sa servante pour le faire, c'est parce que son son de trompette. Il voyait d'où, attention, réveillez-vous, parce que l'affaire est proche. Et t'as aimé que place qui était le ciel à pour même. Il t'a aimé que, où jouit place ça. Et si, il y a des mots qui sont vraiment durs, que, qui, dans l'exhortation, pas dit ça, dame, ça peut dire non. Le son de la trompette, lorsque vous dormez le matin, hein? Oui. Et pourtant, le trompette, pa, 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 oui, dit oui. C'est réveillons, nous réveillons, nous réveillons. Il va être intéressant parce que vous êtes au beau milieu de votre sommeil, mais vous devez vaquer à votre obligation journalière, donc pas aller coucher toujours. Sont communiqués que là-bas. Le communiqué à Mdale, mais que tout le monde t'a communiqué ça, que l'Éternel veut pour le matin. Et avant de se faire, nous allons demander à la sœur Adjé, future première dame de la République et du Congo. Togo. Du Togo. N'a pas un délit pour Lili pour nous. Et ce beau poème du nom de Life. Life. Life is a grand adventure. We live to it day by day. Life is truly a challenge in every sense of the way. Life has its ways of sunshine as well as dark clouds. Life is always uncertain. We learn each day to live it. Life is a gift to us by that great King above. Life to be lived to its fullest. We must know His way and love. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the That Lord. Is life. Yes. Ce que j'aime surtout, c'est que, et ton soutien, ça, mon Dieu, mon Dieu, pour vivre avec lui. Il nous soyez toujours joyeux, vous ne pouvez être joyeux sans la présence de l'Éternel. Life. Il y a un pile minin la donne. Et lorsqu'il te vit ça, life, ça, on va jamais tourner sous terre encore.
Même si y a le 1er novembre, il y aurait l'eau par l'avant, pas peut-être dans rien, parce que tout est déjà, c'est fini, un point de non-retour. Est-ce qu'on va retenir à votre maman? Même si on va retenir à votre maman, c'est comme ça tout, sous terre. L'eau aller, on ne peut pas retourner encore. Il dit, life is a great adventure. Mm-hmm. Oui, non, comme vous. Life is a great adventure. We live through it day by day. Day by day. Day by day. Vive la vie où? De jour en jour. Et madame, je suis fait le bois avec Marie, nous. Marie, je suis dit, madame, et des mots sont grenus. Lors, par exemple, un couple, après des pertes du temps, ils peuvent des fâchés entre eux-mêmes. C'est pas ça? Fâchés, dit des mots qui ne sont pas du tout intéressants. Mm-hmm. C'est temps qu'on a perdu, gaspiller temps, bon Dieu. Et vous voyez ça en latin, diem perdidi. Un jour qui perdu l'envie. Mais tout le temps, on est capable content. Vous comprenez, on met madame, et remet au mari, remet madame, assez belle, par exemple, pour la fête de fin d'année, assez belle drame sous cabane, vous comprenez, changer cabane, changer drame sous capable. Sous pas capable tout, bon, mettez bon bac à la donne, fait qu'à parfumer qu'à fait qu'à belle, pour capable vivre, parce que la vie, son seul temps qu'on vive, petit temps qu'on, bon Dieu, mettez pour vivre là. Les plus robustes à 80 ans. Mais même, vous connaissez, ma plus robuste toujours, ma mouille à 100, combien? 105. 105. 105. Alors, je dis que je n'ai pas toujours gagné. 105. 105. Praise the Lord. Bon, le deuxième poème, nous, c'est la sœur Narchet qui va lire Quiet Days. Quiet Days. Praise the Lord. Praise the Lord. Quiet Days are precious gems of treasured peace and calm. No cares or troubles cloud the sky. The silence is a balm. My soul is soothed and worry-free. Hmm. Such days in life are rare. But when they come, I feel God's love and know I am in His care. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the quiet days. Tout ka viv. Yon vi tranquille. Yon jou tranquille. C'est un petit peu bon pour vous-même. Amen. Laisse ça, pas de cholestérol, pas de tension, pas de sucre. On va faire dire, mais du salé, du sucré. Des palpitations. Pas de palpitations, tout est en paix. Amen. Tout ça qui a bon problème, mettez-le de côté. Amen. Et bon bel petit proverbe créole que moi-même, les chalats trop loup pour vous, vous déposez la tête. Et sous forme capable de vivre. Moi, je remercie le Seigneur. Quand on m'appelle, on me dit, comment vas-tu, pasteur? Je me dis, je leur réponds toujours, ma belle grâce là. Amen. Et ma belle, vraiment, me sentir bien. Il y a rien comme la paix. La fête de Noël, c'est la fête de la paix. Le gars de Toto Noël là, il y a un bagage qui m'a fait paix sous lui. Vive Christ, parce que le roi de la paix. Et c'est Christ qui a fêté et nous dit, bon Dieu, merci. Singing, the singing heart. May you have a singing heart. Whose tone is sweet and clear, living to the melody. We have learned to play by ear. A happy and a hopeful heart, whose lyric lightly lift all sadness, so that folk may share the wonder of your gift. May you have a singing heart, delighting to the sound of silver, rounded note that bear your feet above the ground. A trusting and courageous heart, advancing through each measure, a deeper and richer soul because of such a treasure, the singing heart. Tout le temps qu'on est capable de quitter le cœur, chanter, chanter. Il y a des fois même, pas même besoin de lyrique même, non? Si je chante avec notre tout, chanter et puis dit bon Dieu, c'est pour vous faire chanter ça. Ça, c'est belle bagaille. Donc, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous encourage de vivre chaque jour votre vie avec joie, avec la paix et avec la présence de l'Éternel. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alors, nous vous avons apporté des poèmes parce que sœur Adji, c'est une poétesse. Il fait de beaux vers, belle bagaille, belle bagaille. Ce Larcher, étant de la grande danse, est toujours inspiré de cet esprit. M'a dit la muse, parce que la muse, c'est un mauvais esprit. La muse, ce n'est pas fait pour les chrétiens. La muse, c'est un bagage de la mythologie. Et le, par exemple, pour être des besoins,
et fait poème, nous obligé relayer esprit ça qui inspire yo, cet esprit qui vient des ténèbres, nous obligé lui même bougie puis relayer. Nous même nous pas servir de la muse, mais c'est le Saint-Esprit qui nous inspire et qui est le bon esprit, l'esprit de lumière, l'esprit de merveille, l'esprit merveilleux. Nous disons Dieu merci pour ça, que son Seigneur soit béni. Praise the Lord. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous passer et la lecture. Excusez-moi. Je vais vous lire et prélude à la à l'exhortation de la sœur Narchet. De Timothée 3, conduite à tenir. De Timothée chapitre 2, verset. Verset 3, mais c'est conduite à tenir à l'égard de ceux qui s'écartent de la saine doctrine. Verset chapitre 3. Chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la loi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. Encore, seront quoi? Persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal et les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que l'Éternel bénisse
la puissance qui se trouve dans cette parole pour l'édification commune de nos âmes. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit aux églises à travers notre sœur, la sœur Narchet. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Merci, Pastor. Merci. Okay. Alléluia. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour l'évangile. Merci pour la parole. Ce chanteur, j'ai envie de chanter. N'a pleuvé mais nous pour nous faire bon Dieu sentir. Jean nous reconnaissant pour l'évangile. Ok? Pour la parole qui est le pain de vie. Amen. 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 Oui. M'a pleuvé mais fais bon Dieu sentir. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur. Et c'est cette parole qu'on utilise maintenant pour voler et tromper. Alors, le Seigneur prend note, ok? Surtout, il y a des hommes qui s'amusent à critiquer les femmes pour les empêcher de prêcher, mais qui refusent de travailler. Ce sont ces mêmes femmes, ces mêmes servantes de Dieu qui travaillent nuit et jour pour tout payer. L'hypothèque de la maison, qu'on appelle mortgage en anglais, ok? Le bordereau de la voiture et tout ça, ça c'est de l'abus. Un homme pareil est un pimp en anglais, ok? Qui envoie les prostituées travailler et puis pour recueillir l'argent, ok? Et un homme pareil, la baffie même, quand même, le bon garçon carréen, sans scrupule, il couchait, il mangeait, l'argent fit travail. Ok, mais c'est vous supposé à le travail, ok, pour occuper fille. Ou li paye, fille a payé caille, fille a payé automobile, fille a fait tout pareil, et puis ou même ou pas de travail, ou a mangé, ou dormi toute la sainte journée, d'ailleurs, l'on dormi trop, li pas bon ou a tiré mauvais esprit. Les mauvais esprits a venu peser ou a amé alléluia ou pas cap dormi trop. Même les enfants pas supposé dormir au-delà de 8 heures de temps. Amen. 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 Oui, la nuit. Pour conseil, il dit, l'Éternel parle le soir. Oui, le Saint-Esprit parle avec vous pour révélation le soir. Mais la journée, on n'a pas besoin de dormir pour obliger qu'on soit pour le prêcher. Non! Si on dit, on a 50 diplômes, etc., et pour critiquer les femmes qui sont capables de prêcher ou empêcher ou prêcher, ok? On dit, les femmes ne sont pas supposées être en micro, etc. Mais ou même, sans fin, ou pas prêcher ou pas travailler. Ok? Non! Et puis, gagner là-dedans, c'est pas dans c'est évangéliste, c'est pasteur, c'est eux-mêmes qui a fait 16 heures de temps dans l'hôpital. Même si mon nom c'est un HHE, UDLI, etc. Et puis, il prend l'argent, puis il bagaille ça, pas bon du tout. L'Éternel prend note, et il pile bagaille. Il dit ça va arriver. Oui, c'est la fin des temps privés. Mais, ça, c'est un bagaille qui est dégueulasse parce que, monde qui bagaille la foi solide, qui bagaille s'il va sous la grâce de Dieu, il a quitté l'église. Moi-même, j'ai des choses que je me tendais en 2018 là. Si je n'ai pas une bonne dose de Jésus dans mes veines, je vais tout quitter ça, je vais être là quand même prier. Ok? Amen, amen. Non, heureusement que le bon Dieu plantait mon côté. Allez, lui jeter l'encre là. Alléluia. Côté qui bague ma gouille, au nom de Jésus, là, je vais prêter. Ok? Je n'ai pas besoin d'aller dans le château, dans la méga church. Pour me joindre ça comme besoin, d'ailleurs, méga chose, parce que c'est pas qu'on a. Amen. Il garde au lit, ouais, et puis il pas qu'on a, non, pas qu'on a. Ok? S'il va à l'église, il prend des temps pour le connaître ou mourir. Amen. Ok? Si c'est pas au moment où il dit, tel l'église, il va me connaître, c'est pas au. Amen. Amen. C'est pas vraiment, on bagaille, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à le faire ce matin. C'est surtout, il semblait une supplication
que nous allons faire en cette fin d'année. Aujourd'hui est premier dimanche du dernier mois de l'année. 2019 sera une année neuve. Amen. Pour nous traverser, pour nous entrer Canaan, ok? Il faut jeter le vieux manteau sale comme avait fait Élisée. Parce que bon, onction pour prendre une double portion, ou pas prendre avec manteau sale, là, il faut jeter, ok? Pour mettre des vêtements neufs, que nous allons mettre le 1er janvier 2019, année 9, vêtements neufs, ok? Toute mœurs qui part, toute vieille mœurs qui pourrit, vieille bagaille dégueulasse, on va le jeter, ok? Et puis les femmes, tout, yon outil, j'en trouve à la gang, vin l'église, tout, ou jacke, c'est où? Pour venir mes pasteurs, c'est ou même quand chercher créer problème by by pasteur yo, OK? Il a marché dehors et on connaît que la convoitise des yeux, c'était premier péché le thé, OK? Ensuite, c'était la désobéissance, OK? Donc on a poussé mon nom pour la faire des choses, dit tout déjà il y a des mœurs que la PC est contrôlée, OK? Et ce sont des hommes qui finissent rivé après 50 ans yo ou le ballon déjà dégonflé, par les ennuyés que vous avez remettre, vous comprenez? Et à marcher ennuyer les femmes à l'église, ce sont des démons déguisés que Satan voyait dans les assemblées pour troubler la paix. Malheur à vous, femmes, ok? Si nous quittons Monsieur Sayo, moyen nous l'église, ok? Ça ne prend pas nous. Malédiction pour nous, ok? Plutôt nous courir pour vous, préférer nous courir pour vous, et puis moyen jeûner, il y a prêté loin nous, ok? Amen. Amen. Moi-même, j'ai bâton, j'ai fait pour yo, boule fait bâton pour yo, ok? Donc, fait de même, armez-nous pour yo avec la prière, et puis bien avec bout de bâton, baillette de baseball, etc. pour yo même, parce que ce sont des malades, ce sont des envoyés de Satan, ok? On nous prend de bon Dieu en, dans cette fin d'année, révélation des péchés cachés, ok? Et de pouvoir faire des choix positifs, ok? Numéro 2, la soumission au Saint-Esprit de Dieu que nous avons demandé et la force pour lutter, okay, contre ces démons déguisés. Okay? Ils viennent ou bien à l'église ou bien ils sont gérants, on peut parler les gérants parce que c'est l'église moins. Okay? L'église Jésus-Christ, c'est l'église moins. Okay? Bon, on peut parler les gérants, c'est ici que le pasteur Chevalier, c'est gérant. Okay? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui supposait diriger l'église, c'est le PDG, mot que haïtien remet en pile là. OK, il y a une boîte, c'est si vous de souliers, il y a le PDG. OK? En soumission et force pour nous demander cet esprit de Dieu. Numéro 3, nous désirons que tout ce que Dieu veut accomplir dans notre vie se réalise. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Si pour mon Dieu réaliser des choses pour nous, il y a des choses que nous pas accepter, les choses inacceptable, ok? Si un pasteur a dirigé, pasteur a pas gain droit pour la vie des une, deux, trois femmes dans l'église là. Amen. Amen, amen, amen. Ça pas gain droit fait, les inacceptables, il faut qu'on reporte pasteur si vous voulez rester à l'église ou bien abandonner. Avant abandonner, il faut prier ou pas qu'à lever pour déplacer et puis pour aller l'autre assemblée sans qu'on demande de bon Dieu pour le diriger, ok? Malheur à vous si nous faisons. Amen. Nous demandons, Seigneur, en cette fin d'année, de nous entendre, parce que sa parole dit, j'ai entendu tout ce que tu as dit à mes oreilles, j'agirai qui s'y opposera. Ok? Donc, si on parle avec lui, pasteur ça, il a mis des freins sur lui, oui? Et l'homme ne peut pas être tranquille, il dit que lui ouvre la terre, et puis lui avale, ou fait la terre avale, oui? Tout le monde qui nuit, qui nuit petit bon Dieu, ou ap jwenn avec son cherché depuis qu'on pas repenti. Il ne nous reste que quelques jours, je crois 29 jours pour la repentance et une vraie conversion. Même quelqu'un qui se dit pasteur, qui n'est pas un vrai pasteur, parce qu'il y en a qui ont acheté le papier, qui ne sont pas le vrai pasteur. Pour être un bon pasteur, un bishop, docteur. OK? D'ailleurs ce titre là ne vaut rien, OK? Il y a un conseil de monde qui a un petit peu de prêcher même. Il y a des gens qui ont une tête marée, qui ont un bon soulier dans le pied, l'homme t'a dit, en vérité, moi je suis ébahi. All right? Moi je suis ébahi, je n'ai pas aucun diplôme sur le mur. Ok? Mais, des choses que je peux prêcher, je n'ai pas même qu'on lit bien même. Ok? Donc, il est temps que nous suspendions Matthieu vu. Ok? Parce que Jésus qui est le roi des rois,
li pa konn vante tèt li ke bon paquet diplôme, li gen ceci, li gen cela, OK? Il était humble. M'a di moun ke pou humble pou lese moun mache sou ou, parce que l'haïtien surtout aime abaisser les gens et diminuer les gens, OK? Mais ou pa kapab fè intéressant, ou konprann, a vante tèt ou etc. Et puis sa pou ofri a, c'est la parole, la connaissance pour passer by. Parce que le auteur te dit que une bougie ne perd rien de sa lumière en allumant mille autres. Donc, sans qu'on ait passé le bail, nous avons 12 ans, c'est l'école qu'on a fait. Après, c'est ce qu'on appelle gérant, garçon la cour avec les servantes le dimanche après-midi. Donc, dans pile là-dedans, pas capable de signer nos opérations à l'ambassade. Dans tout le quartier là, tout le monde sait qu'on a fait apprendre à lire, apprendre à écrire. OK? Pour qu'il s'appelle Bishop, il n'a pas fait ça. OK? C'est mettre cravate gonflée. D'ailleurs, le nous avons éclaté aujourd'hui. Parce que bon Dieu a regardé, nous avons pris note. La pique dans mes couilles, puis il a éclaté, il a retiré toute l'air dans nous. Parce que nous avons gonflé dans l'église, nous avons trompé des gens. Moi-même, nous n'avons pas trompé, non? Non, depuis une petite grande monde avant de nous. OK? Nous n'avons pas trompé. Ça, non. OK? Moi, reconnaître. Les vrais serviteurs de Dieu, ça comme toujours insister à la radio, priez pour les vrais serviteurs, les vraies servantes et ceux qui n'ont pas été choisis. Cap mené brebis, l'eau la Odyssée. L'eau la Odyssée, c'est l'eau la boue que l'Ivle dit, parce que mot la Odyssée, c'est ça l'Ivle dit. Ce monde, ça, c'est l'église la Odyssée, et c'est avec Jésus qui a parlé. OK? Monde qui est derrière l'argent seulement, il y a caressé fil dans l'église, puis il y a pris l'argent dans le mélo. OK? Jésus a frappé nous avant longtemps. Au nom de Jésus, il a frappé nous, au nom du Saint-Verset. OK? Parce que ce n'est pas ça qu'il dit. Il a trompé les femmes, trompé les brebis, égaré. Quand il a nous fait mon nom, il plus fou que le fou. L'entrée dans l'église là, OK? Il est folle. OK? Parce que il n'a pas fait personne confiance. Nous trompé lui, et puis maintenant. Nous responsables, nous sommes qui perdent. OK? Que toute opposition, tout blocage reçoive une pluie de grêle et de feu du charbon ardent du ciel de Yahweh dans cette fin d'année. Alléluia pour abattre les murailles. Murailles que nous mettons, qui fait moun pas capable de joindre avec ça, chercher. Nam qui grand goût, comme je dis en créole. Nam qui assoiffé. OK, de la parole, comme qu'à la recherche de Jésus, OK, au lieu de nous enseigner ça, et puis c'est grimace qu'on a fait l'église d'ailleurs, OK, mon Dieu pas content, mon Dieu pas content, c'est cet esprit qui dit, bon, me dit, parce que c'est Martin, il dit, écrit un petit bagage sur ça, all right, et l'a réduit en poussière certaines églises, tout, nous ne pouvons venir nous joindre, même chers d'ailleurs, crasés dans l'église là, OK, nous même seuls qui pouvons camper, avec, pour nous mettre à genoux, nous crier et nous demander, bon Dieu, pardon, parce que nous prenons des brebis, surtout les femmes. Nous pouvons nous tromper. OK? Et puis nous menons à de l'eau qui la boue, de l'eau qui n'est pas potable. Le psaume 23 dit que lui conduit nous dans des endroits paisibles. Lui mène nous dans de l'eau paisible, côté qui potable, de l'eau qui paisible. Là. Lui parle de crocodile en balle. Nous même c'est le crocodile, nous mettons dans le crocodile manger. Ce n'est pas bien ça. OK? C'est un pape content. Alléluia, je couvre tête avec le sang de Jésus. Je couvre tête avec le sang de Jésus. Je couvre tête avec le sang de Jésus. Salisim diamab dil au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps pour nous penser les blessures, réconforter les affligés. Si nous pas faire à travail. Plein travail dans la rue, comme dit Paul l'ose sur toute cette saison. Allons magasin, à travail. OK? Parce que moi j'ai un cousin qui est médecin aujourd'hui, grand médecin, qui est propriétaire de plusieurs immeubles en Bronx, Manhattan, Brooklyn, à Woodmere. Ça a été fait l'entrée ici. Après la philo, là il pousse Wobble Manhattan dans la factory pour te payer l'école de médecine. C'est Chavan Thomas, docteur Chavan Thomas, l'oncle de Pasolino. OK? Bon miracle. Wobble t'a poussé le Manhattan pour le payer l'école de médecine. Allez travailler! Suspendre à sourcer le sang de les femmes haïtiennes qui stupides, qui sans Jésus, ce sont des amandes qui sans noyau. Leur outil, nous cassons à moi, nous déçus, nous regardons dans le creux, qui quittent nous-mêmes, nous sourcer sang, nous travaillons le soir, on perd du sang. Amen. On perd du sang, c'est ça qui fait pompaïn, tant pour Dupont,
compagnie ça yo pas quitter monde fait 1 an 2 ans travailler au seul chiffre le soir. OK? Yo fait ce qu'on appelle alternate, OK? Yo fait monde travailler autant pendant peut-être 3 4 6 mois le soir d'après ça bagaille il pas bon pour vous. OK? Il pas bon pour santé ou. All right? Suspend abuser mesdames yo. Allez chercher travail le 2 janvier, là nous fin fêter. Allez chercher travail pour nous faire. OK? Nous pas obligé pasteur. Nous pas obligé pasteur. Bon Dieu pas choisi nous pour pasteur, nous pas obligé pasteur. Et puis dans semer la division, la critiquer d'autres pasteurs qui ouin, qui gagne onction. Vous avez une onction, vous n'êtes pas capable de gérer l'onction. Quelle honte. Demandez bon Dieu pour bonne capacité pour nous gérer l'onction que libre nous. OK? Pour nous suspendre faire tête à l'église parce que gagne monde que me connaît qui parle l'église encore. Qui qu'on y a à l'écoute de la Samaritaine, qui le dimanche la musée a pris des 4-5 pasteurs que choisi pour le donner. Ok? Parce que nous-mêmes qui faisons dans l'église encore, et il y a tant d'autres tout, nous troublons mon yo, si nous n'avons pas la foi solide. Ok? Tu me pousses pour me faire tomber, c'est ça, Somme 118 dit. Oui, je me glisse, même je ne peux pas casser, même je vis quand même l'église. Je campe parce que je devrais chita, mais tabouret à la boum chita. Le Seigneur dit c'est campe pour campe. Campe pour campe. Je suis habitué à camper chaque dimanche, je campe pour chita. C'est ce message que je joue. Je campe malgré la douleur. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. L'Éternel m'a châtié, mais il ne va pas livrer à la mort. Alléluia. Parce que l'ennui, petits oiseaux, la fouillon, force à vie, tête en balade. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous disons bon Dieu merci. Alléluia. Pour sa présence ici à l'église de Dieu la Samaritaine. Pour la liberté que l'a accordée à cette fin d'année à tous ceux qui sont en captivité dans des églises malsaines. Église ça que vous parlez là, que Paul parlait de Timothée 3. OK? Moun qui c'est avis à démon d'avidité. OK? Qui marché derrière là parler de l'argent seulement. Vous savez que ce sont les prostituées seules qui font ça? Ces garçons prostitués ou pas mon le cœur, là qu'on va parler de l'argent tout le temps. L'argent, on met gagné 1 million, 10 millions. Regardez George Bush. Plein l'huile, plein l'argent, mais il mourit. L'argent pas kakebeli. Non, tout le monde mourit alors qu'il était là. Et quand on dit qu'il y a un héritier, ce sont pour les ingrats qui étaient là. Ok? Suspendre parler de l'argent, on seul langaine. L'argent, l'argent, l'argent. OK? L'on plaît l'argent, bah, au monde. C'est besoin, c'est moi, gros, c'est moi, moun, non. C'est ça lié. Ou pas les revolvers, et puis n'a critiqué les bandits dans des pays, les anglais d'eau, ou bien dans tout pays, n'a critiqué, alors que nous-mêmes, nous servions avec la Bible, soi-disant chrétien. C'est pour te, moun, la Bible, que nous y est, nous pas chrétiens. Et puis nous venons gonfler avec, même pour ce costume, nous, pieds, nous, qu'on y a tourné pieds étrangers, c'est ça qu'il nous mettait. Nous campions devant le micro et puis nous venons dire bagay. Pendant qu'on parlait, les gens n'ont pas adressé la parole là. C'est les gens que nous parlons dans la cabane avec lui le soir. Ok? Ça, il ne va pas faire comme ça. Il ne va pas faire comme ça. Nous ne pouvons pas penser que bon Dieu prend note. Ok? Il y a des sacrifices que nous-mêmes ici nous faisons, oui, pour nous servir bon Dieu. Il y a des choses que nous quittons tomber, oui, pour nous servir bon Dieu, oui. C'est pas qu'on est, nous pas qu'on est. Non. La convoitise des yeux côté la meno. Qui côté la meno? Pourquoi pas côté le mené Adam et Eve et nous-mêmes nous n'a payé pour lui jusqu'à présent. OK? Alléluia. Et puis et puis on la joue mon rivé. Suspendre faire fille pas sur la bêtise. Vous comprenez? Parce que yo parler écrit bagaille sur le Facebook, le Boardbook, le Bellybook, le Footbook, le Headbook, tout bien bagaille qui gagne yo. All right? Je plaisante, ok? Alléluia. Nous avons demandé cet esprit de Dieu pour lui envahir nous. Pour nous capables de gagner l'esprit de discernement. Pour ne pas voir nous dans les églises, côté qui gagne des rats, des souris. Ou comprendre des punaises spirituelles. Il y a le pasteur, c'est eux-mêmes qui punaises spirituelles, là, commencez par eux-mêmes. Plus ce côté qui gagne punaises, il faut le multiplier. Donc c'est ça qui fait que l'attirer l'autre punaise d'une église, là. Ok? Donc il est temps pour pasteur Ayo, suspendre, faire têter, le temps est à la repentance, le Jésus vini, ou le tremblement de terre passé à Alaska, mais pas repenti qu'on a pour moi ça qui a passé, le la terre ouvre la vallée avec tout automobile, yo. Ok? C'est pas ça que je souhaite pour personne, monde, ok? Yes! Seigneur, je prie
que tu nous accordes la capacité de gérer la double onction en 2019 que nous réclamons de toi. Ok? Pour que nous ne soyons pas comme ces pasteurs païens. Ok? Qui ont une Bible en main, mais qui ne sont pas des chrétiens. Ok? Parce que comportement, yo, pas comportement chrétien. Un comportement malsain ou chrétien, pas un comportement sale. Ok? Certains ont reçu une double portion, une onction spéciale, mais n'ont pas la capacité de gérer cette onction. Ils préfèrent courir après les femmes pour les distraire, les éloigner de toi, les éloigner de l'assemblée, ok, et troubler la paix, ok. Je te demande, Seigneur, de donner la paix à ces hommes, à ces pasteurs, Seigneur, qui sont malades, des dérangés spirituels, ok. Bâille la paix, Seigneur, ok. Aujourd'hui, même pendant qu'on va parler à Seigneur, mando, Seigneur, vide la paix, bâille une injection, la paix au Jésus, la paix, Seigneur, pour suspendre troubler les femmes. Il y a des gens qui sont petites ou pas capables, ou pasteurs, et vous parlez des gens qui sont petites. Petites, ça va dans l'église encore, le loi fait pareil comme ça. Et vous campez l'église et vous dites, oh, 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 l'éternel est bon, il est bon. Non, non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Bon Dieu, prend notre langue, quand il est là, et il va te poser aux questions. Amen. Amen. De la même façon, Seigneur, que nous te demandons de nous remplir de l'esprit de vie de Jésus, afin que tout ce qui est mort reprenne vie. Nous te prions de siphonner ce matin. Alléluia. À l'instant même où nous te prions, Seigneur, la vie qui est dans ce petit serpent qui emmerde les serviteurs déguisés en agneau. Ce petit serpent, Seigneur, fait que vienne mourir, Seigneur. Ok? Puis au suspens, c'est lui-même petit serpent ça qui a troublé la paix à l'église, Seigneur. Nous demandons pour remplir nous avec la paix, la joie, l'esprit de vie de Jésus, que tout ce qui est mort en nous. Ok? Alors, en ceux qui craignent ton nom et qui te connaissent, les faux prophètes, les faux docteurs, les soi-disant pasteurs, ok? Les non-ouins, siphonner l'esprit de vie qui dans ce serpent, Seigneur, pour mesdames, vous avez l'appel à l'église là. Et ensuite, vider l'onction sur vous, Seigneur, par vos capacités, Seigneur, pour gérer l'onction et faire vous connaître, parle aux oreilles de ces pasteurs. Pour faire connaître que si vous avez folie, pasteur, c'est soit vous faites net aller ou bien il conduit taxi, il travaille dans le Home Depot, il dans le laboratoire, dans l'hôpital, n'importe qui côté, il fait n'importe qui travail parce que par son métier. Tout travail vous fait avec honneur, dignité, ou pas voler, ou bien l'argent ou toucher pour régler tout à fait. Okay? Ou pas obligé de venir devant le micro, ni en commencer à louer côté, juste peut-être pour capable de la soif de l'argent. Ok? Et puis juste peut-être pour qu'il y ait les belles femmes qui viennent l'église là. Ok? Pour piquer eux. Tant pour serpent. Tombe diable. Tombe baka. Tombe diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Joël 2:12. Revenez à moi de tout votre cœur. Papa, bon Dieu, son bon Dieu qui miséricorde, Dieu qui bon. Tout le temps, on chante miséricorde. Il ne va pas abandonner nous. Même si nous t'ai fait des choses pendant 10, 20 ans. Qui pas ça? Dis Seigneur, m'gen folie pasteur. Mais moi m'pa ka fè bagay la bien jan di la. M'a mené brebi a yo, y a bwe vie de l'eau, men gros vent yo vinye le bwe de l'eau pa bon pou yo la poisonné. De l'eau pa propre. Et ou di que c'est non, ou mené nou la prairie, côté qui gen de l'eau paisible, qui gen de l'eau qui limpide. OK? Et di ken ki route pou m'pran. Parler avec moi. Cet esprit pou di ki chemin pou m'pran, ki côté pou m'fè. Pour m'aller, pour m'capable à puiser force comme besoin, et puis pour m'capable faire travail, oua, ok, j'en peux désirer là, ok, souvent de bon Dieu l'a fait ça pour vous, oui, alléluia. Père céleste, pardonne nos péchés commis, volontairement ou involontairement, je te supplie, pour ces personnes-là, ces pasteurs-là, ces hommes-là, qui sont en train de chiffonner tes enfants, de siphonner la joie, la paix, Seigneur, ok, que tu as placé dans tes enfants. Ok? Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui vois tout, nous voici devant ton trône ce matin pour te demander de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Et maintenant, nous te demandons de laver, de purifier, de sanctifier ces hommes, Seigneur. Alléluia! Qui ne prêchent pas la vraie doctrine. Ok?
qui sont égarés, Seigneur, et qui égarent tes enfants, spécialement les femmes. Ok? Je te demande un cœur repentant pour ces hommes. Alléluia! Nous ouvrons nos cœurs à toi. Montre-nous les chemins tortueux que nous avons empruntés et fais de même pour ces hommes, ces pasteurs-là, ces faux docteurs, ces faux pasteurs et ces faux prophètes. Alléluia! Qu'a prophétisé mensonge, pareil qui passe ça. Ok? Un jour, un seul coup de poing l'éternel à Bayo et puis même au seul langue, il va venir la bouche et puis c'est à la fin. Il est temps. Revenez à moi de tout votre cœur. 29 jours qu'il vous reste pour le faire. Avant la fin de l'année, pour débuter en 2019, une année toute neuve, avec des costumes neufs, une mentalité neuve, alléluia, et la saine doctrine. Ok? C'est ça que je dis. Prêchez la saine doctrine. Suspendre by menti, suspendre dit bagay qui passe ça. Ok? Et suspendre fait l'argent ou pas qu'à servir bon Dieu et mormon. Ok? Ou mettez mormon avant mon Dieu. Ok? L'argent. Ok? Assez. C'en est trop maintenant. Ok? Alléluia. Que ton Esprit Saint Seigneur nous détache de toute relation toxique et empoisonnée. Lord, alléluia. Please flush us. Cleanse us, Lord, of our worst enemy, which is what we hold against us. Alléluia. Yo même son problème que yo gen, oui. Yo gen des choses que yo kembe qui fait que yo pas capable libre. Christ dit que li fait nous li affranchi nous. OK, nous libre net. Ou pas ka di ou c'est petit bon Dieu, ou il faut li prêcher l'évangile et pour pas libre. Puis on marre là gen sept de fer là-dedans, puis on marre ou en captivité. Non, li pas bon. Li pas bon, li pas bon du tout. Alléluia. Merci Seigneur pour la grâce de passer ce temps avec nous Seigneur. Merci de nous écouter et je sais que tu as entendu nos supplications Seigneur. Je connais qu'on prend le fond bagaille pour pasteur ça Seigneur ou pas quitter 31 décembre rivé puis entrer 1er janvier Seigneur à prêcher doctrine ça Seigneur, doctrine païa. OK? Seigneur, parlez avec eux, tu susurres des mots doux aux oreilles Seigneur le soir. Parlez avec eux Seigneur. Fais-le prendre ça puis au coucher à terre. Puis on repentit, puis on suspend dormir sous bon matelas douce que fille payer. Ok? Au nom de Jésus. Yes, nous pas les filles prêcher et nous manger l'argent. Vicieux! Dans la Bible dit dans Job, on est un seul côté dans la Bible qui dit vicieux. L'éternel connaît les vicieux. L'Iwan ou Iban, vicieux. Quitte tout le vieux bagage, ça retombe. Évacuez ou bien dans la cuve à la toilette, ou bien, bah, on est à la mer, voyez-vous jeter. Et puis jeter toute vieille radio pour nous recommencer à 9 1er janvier. Ça, c'est souhait pour nous avant la fin de l'année. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur merci. Parce que tu nous enseignes. Merci Seigneur parce que tu nous as placés dans un endroit où la vraie parole est prêchée, la vraie doctrine. Merci pour tout ça, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur. Merci. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Amen. Parole. Message du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Parole là. Parole là. Mettez lumière là. Parole là. Parole là. Mettez lumière là. Les petites circonstances qui vont arriver. Oh parole là. Oh parole là. Mettez lumière là. Merci Jésus. Bon, quand elle tombe, elle tombe. Quand elle frappe, elle frappe. Nous ne visons personne, nous ne voyons personne. Nous voyons un corps sans tête. L'Éternel voyait message lui.
Merci, Sœur Chantal. L'Éternel voyait un message. Ce n'est pas tout le temps pour en parler de belles cailles sous terre. De belles voitures sous tout est ça. De belles costumes, de belles robes. De belles canettes banques. Le loup l'a quitté toutes. Amen. Mais nous prêchons de préférence le Saint-Esprit à travers notre organe, l'organe de la servante, lui prêcher pour les biens d'en haut. Nous allons rechercher les choses d'ici-bas, où la rouille et la teigne, où les voleurs capables de dérober. Mais, bon Dieu, voyez, il y a un message, ça, les gens bistouri la donne. Et bistouri ça, la bête est tout péché de yo. Amen. Donc, on est grand pile qui va fâcher. Mais l'Éternel voyait parole, nous ne pouvons pas faire rien pour ça. Et si tout pasteur, prédicateur, pastoresse, prédicatrice, les dames missionnaires, les hommes missionnaires, te prêcher sur le péché, le monde va être dans la situation ça. Le monde va être dans l'état ça. On crée le pasteur, trois femmes enceintes pour lui-même. Bah, il va pas arriver, bah, il va suspendre. Bah, il va pas arriver, la boucline. Ben, elle m'a dit comme ça. Et par contre, ça ne fait pas pasteur parce que je cherchais tout côté par où elle disparaît. Et alors que pasteur ça, il est marié déjà. Eh bien, mes amis, parole parler, parole comprendre, son seul bagage que vous avez besoin de faire, pratiquer. Ça nous entendez. Au lieu de vous fâcher, pratiquez de préférence. Parce que parole ça, il mène à la vie éternelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Comme vient de dire la sœur Narche, la prédicatrice du jour. Bon nouvelle année qui va commencer. En nous mettant des habits nouveaux sur nous-mêmes. 2019. La bonne mon Dieu ne peut pas prendre la même situation encore. L'état de péché ça. En nous bonne mon Dieu pour retirer tout ça qui part de la caille nous. Tout ce qui appartient à Satan, que le débarrasse de toute vie et bagaille sao. À nous suivre l'Éternel, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Depuis qu'il souffle, il y a la vie. Amen. Et depuis qu'il y a la vie, il y a la nouveauté. Depuis qu'il y a la nouveauté, il y a Jésus. Depuis qu'il y a Jésus, tout va bien. Amen. C'est pas un message qui a fait nourrir, mais c'est un message qui permet tout faire en rétrospection de la vie. Il permet tout faire en autocritique de la vie. Nous. D'ailleurs, que nous, le fitané message ça, repassez-le encore. Repassez-le. Pas quitter Satan fort susceptible. Il faut fâcher. Il faut critiquer. Mais demandez Satan pour faire bouche-lui. Pour quitter la voix de l'Éternel, tonner dans le cœur. Il faut capable de gagner une autre vie. Une vie nouvelle. Une vie qui vous met sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Et nous disons, Dieu, merci pour ça. Que ce Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce beau message. Quand on parle avec nous, on parle avec nous, et on demande nous pour nous recommencer, Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Nous voulons recommencer, Seigneur, sur ce chemin qui mène vers toi. Seigneur, on te dit à l'église de Philadelphie, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ces pasteurs-là, Seigneur, ils ont été faits contre le séminaire, ils ont seul intention de te servir. Et puis voilà que Kounia, il a fait des bagailles qui sont drôles. Et ça fait qu'il y a des gens qui peuvent, qui peuvent avoir le titre de pasteur, parce que il y a trois gens qui font des bagailles qui sont drôles, trois magouilleurs. Ils ont peur de dire qu'ils sont des pasteurs. Le pourquoi? Parce que ces pasteurs-là, ils mettent un vieux drap noir sur et dossier les pasteurs. Seigneur, tant pis, papa, tant pis, Seigneur. Dis parole. Changez les cœurs, Seigneur. Changez les cœurs. Papa, préparez-nous pour notre ciel, là, Seigneur. Pas quitter, Seigneur, pour nous quitter l'esprit du lucre. Parce que Judas, ça fait Judas perdu. C'est parce que Dieu l'esprit, l'argent, technique, Seigneur. Mais fais-nous capables des serviteurs et des servantes qui vraiment campent sur la parole, qui prêchent la parole. Et merci pour cette bravoure que tu as donnée à la sœur Narchet. Merci, Seigneur.
même esprit sous Paul là pour le prêcher. Et même vous mettez même esprit ça sous lui-même. Et vous mettez même esprit ça sous la sœur Adjei. Même esprit ça sous nous-mêmes qui là, Seigneur. Nous voulons camper sur l'évangile. On l'évangile de puissance. On l'évangile d'autorité. On l'évangile de force. Parce que devise nous ici, c'est sainteté à l'éternel. Seigneur, béni nous, couvrez Kaïnou. Et que Kaïnou, Seigneur, toujours, la sanctification la donne. Parole comme ça dans la bouche nous, des paroles sanctifiées. Prédication nous, ce n'est pas l'esprit de Luc qui a poussé nous faire prédication, mais c'est l'esprit où inspirez nous dit, Seigneur. Merci pour ça. Merci, Seigneur. Merci, on va bénir la sœur Marché. Ils sont prêchés. On va couvrir avec puissance. Et en quelle puissance satanique capable d'attaquer parce que c'est un servant ou pas l'autorité pour le prêcher. Mode de prédication, ça, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Et merci pour l'église qui campe sur la sanctification. Merci pour l'église qui campe sur la parole. Merci parce que, binou, c'est entrer dans le ciel là. Merci pour ça, Seigneur. Et merci pour cette prière. Merci pour auditeurs qui parlent avec téléspectateurs qui parlent garder, qui parlent suivre au cœur repentant, Seigneur. Faire sentir que même Jean, Seigneur, de tes péchés avant que de te rentrer dans la situation, ça, de te la bonne gloire, de te chanter cantique, de te prier, faire retourner la place, au Seigneur. Merci pour ça. Ainsi nous te prions dans le précieux nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Que l'Éternel nous rende. Que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel nous dirige. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit soit et demeure avec tous les pasteurs, avec toutes les pastoresses, avec tous les dames missionnaires, avec tous les hommes missionnaires, avec tous les docteurs, avec tous les bishops d'Emmeton et à jamais. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Merci d'avoir gardé l'écoute. Et c'est branché sur la Samaritaine Radio. Et nous nous retrouvons ensemble dimanche prochain pour un autre beau culte d'adoration. Bonne semaine sous le doux regard de Jésus. Amen. 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 Amen.